Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker Swedish House Mafia et The Weeknd, Moth to a Flame. C'est le nouveau son de The Weeknd. On va voir qu'est-ce que ça donne. C'est sorti il y a 3 jours. On va checker ça. Il a déjà annoncé son. Non, je ne sais pas lui, c'est Swedish House Mafia. Swedish House Mafia qui a sorti son tour, qui arrive bientôt. Et The Weeknd aussi, il arrive bientôt. On n'a pas de date officielle, je crois, mais ça arrive. Allez. Est-ce que c'est du sale? Est-ce que c'est de la douceur? Est-ce que ça kick? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est techno? Dance? Je sens peut-être qu'il y aura un gros refrain très avec un BPM bien élevé, c'est très électro un peu peut-être. Tu vois, tu sens déjà un peu comment ça part. Chanter le truc, ça passe hein. Franchement, ça passe très bien. Ça passe bien. Ça passe bien. Ça passe bien, mais il y a un truc, je crois, En fait, ça fait bizarre de voir The Weeknd sur une prod comme ça, en fait. Est-ce qu'il a déjà fait un son sur une prod comme ça? J'ai pas l'impression, hein. C'est vrai que ça passe. Avec sa voix chantée comme ça. Comme il a un flow un peu lent, on va dire. C'est presque un style nouveau. Mais c'est un bon morceau. Il est pas mauvais en tout cas. Et intéressant à écouter en tout cas. C'est bien, toujours dans recherche de nouveautés, créateurs, toujours de week-end. Franchement, le son, moi, je trouve qu'il est quand même bon, quand même. Faut pas abuser le son, il est quand même très très bon. Même si on n'a pas l'habitude de voir ces deux fusions. Enfin, on est plutôt proche en général, mais là, c'était plutôt très dense. Le style très très dense, on va dire, sur le refrain. Et côté chanté, tout ça, ça me fait un peu bizarre, mais le son, il est quand même assez incroyable quand même. Et ça va super bien avec The Weeknd. Tu vois, il n'est pas décalé non plus. Et c'est un bon morceau et c'est vraiment du bon travail. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Franchement, très très bon, rien à dire. The Weeknd toujours au top, hein. Swedish House Mafia. Bon, ok, dessus, vous dis à la prochaine et ciao, ciao.